Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a petit pas, ça va le coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je passe YouTube les gars, on revient en force. Le jeu me hype de ouf, enfin me hype de ouf. Faut doser parce que bon, la méta est pas folle pour moi, et bon bref, on s'en fout. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, nous allons partir pour monter à 7500 trophées, tout simplement. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésite pas à s'abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et puis c'est parti, on va jouer avec le deck de Viper. Et puis on a 4 games à faire, donc en espérant que ça va bien se passer. Et puis c'est parti pour la première game, quand elle veut bien se lancer évidemment. D'ailleurs dites moi les gars si vous êtes content que je revienne sur YouTube ou pas. Si ça fait plaisir, si vous avez des conseils, bon, moi j'en ai plein. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis voilà. Allez, on est tipar pour la first game. Allez, petit esprit de glace au pont tranquillement pour commencer. Ok, fantôme. On va débûcher tout ça. Hop. Ok, donc là je vais attendre et... Ok, parfait, je mets la voleuse là. Là, ça va attendre la tour du roi tout de suite. Hop. Et là je me permets de faire ça. Ok, on va mettre une petite Valkyrie ici. Ok, un esprit de glace. Hop. Et on va aller juste tout ça évidemment, parce que là Valkyrie va se faire découper sinon. Ah, déjà qu'elle se fait bien découper hein. J'ai peut-être un peu forcé, là j'ai un peu peur de ce qu'il peut faire. Ok, bon là il a beaucoup d'élixir d'avance. Enfin là du coup on est à peu près pareil je pense, mais il a une pompe sur le terrain quoi. Et je suis pas pour la roquette parce que bah sinon je serais tellement dans la sauce. Là on doit être same élixir à peu près. Donc ouais, complicado. Ok, c'est pas grave, on part en bourre au fond de map. Hop. On garde la Valkyrie pour une pour une voleuse évidemment qui va se remettre au pont. Ok, 3 mousquetaires. Bon là par contre aux roquettes. Hop. Petite roquette sur les sur les mousquetaires. Ok, bah, évidemment voleuse. Ça me paraissait assez logique. Je vais essayer de la tenir vers le haut. Oh merde, j'ai un peu chié dans la colle. Ok, c'est pas grave. Tout va bien. Ouais, malheureusement, je vais devoir assumer, j'ai pas trop le choix. Tous les cas, ouais. Enfin, tous les cas, c'est la sauce. Là j'ai pris un très gros retard dès le départ, donc ouais, c'est compliqué. C'est pas grave, tout va bien se passer. Ok, on part en cochon ici. Ok, là, attention placement. Ok, il est pas attention placement. Vite, l'esprit ici. Hop. Ok, c'est pas grave. Notre bourreau va sûrement se faire genre détruire, mais c'est pas grave. On a la Valkyrie ici. On prépare évidemment une potentielle roquette ici, peut-être. Ok, part sur une voleuse. On va split les gobelins fondable, je pense. Ça me paraît pas trop mal. Bon, ça, je roquette direct, je pense. Je vais pas m'emmerder. Hop. Ici, on va évidemment mettre une petite bûche pour tuer la Valkyrie. N'importe quoi. La mousquetaire. Ok, on va essayer de partir ici en cochon, j'attends évidemment l'esprit en plus. Ok, c'est bien joué la Vovo. On va aller mettre 3 coups de cochon peut-être. Voilà, mettre 3 coups de cochon, c'est parfait. Bon là on est dans une sacrée sauce, je vous explique pas le truc. J'ai pas trop envie d'aller roquette là, ouais voilà, exactement pour ça. Hop, on a la petite roquette ici. On va tuer sa mousquetaire, on a juste à défendre. C'est pas un match-up facile, hein, mais en vrai, je peux y arriver, je pense. Ok, il a fail son prochain bûche, donc ça m'arrange. Ok, bon, nickel. Là, on est bien. Là, on est vraiment bien dans la game. On peut aller mettre un petit cochon. Ok, là je la sens bien la game. Ok, le zap un peu panique, ça c'est parfait. On aura évidemment l'esprit pour aller tuer cette mousquetaire. La bûche qui va permettre de tuer, donc ça c'est parfait. On aura les petits gobelins. Est-ce qu'ils pré-shot? Ils pré-shot pas. Et là je pense que c'est good game hein, sur ça. C'est pas facile à chercher ce genre de game, faut bien jouer. Ok, on part en cochon évidemment.
Ok, il a bien joué. J'ai envie de partir à Valkyrie ici. Je prends pas de risque, hein, évidemment. Vous en doutez bien que là, il faut pas trop en prendre. Ok, là, on aura une bonne bûche, évidemment, bien value. Hop. On part en gobelin. Hop, 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 tout ça, direct. Normalement, la Valkyrie suffit ici. Ouh, j'ai chaud. Je peux tenter de pré-shot quelque chose. Ok, c'est pas grave, on n'est plus qu'à une roquette. Et si pré-shot? Ok, pré-shot pas, bon c'est parfait. J'ai pas besoin de plus défendre alors. Et là, c'est bien GG. Juste préfère défendre d'abord, juste j'assure. Et ensuite je peux roquette tranquillement. En me disant, dans tous les cas, il y a le bourreau qui permet de tempo. Et on va aller chercher cette première game. Complexe la première game, complexe la première game. Mais au moins on l'apprend. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Très belle game de ma part. T'es pas dégueu le mec en face, hein. Bon, et t'es pas incroyable non plus, mais t'es pas dégueu. Ok, on part tout de suite dans cette... Oh bon, j'ai pas le petit 25 gemmes. Peut-être on aura 4 games à faire, ce qui me fera un peu chier, je vais pas vous le cacher. Mais bon. Ok, on est bien parti. Allez, contre Rémi. Let's go, on part en cochon esprit. J'aime bien partir comme ça, c'est... Peu importe ce qu'il joue, au moins, voilà. Alors, tu vas mettre mineur, par exemple. Et là, on va mettre un coup, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va mettre une petite bûche ici pour étresser les gobelins. On va mettre des petits gobelins ici. Ici. Paf. Petite tornade. Bon, c'est pas grave. Ok, pour l'instant, on essaye en termes de dommages. Ok, on va attendre dans la partie 10 élixirs tranquillement. Et je pense qu'on va partir en cochon esprit comme tout à l'heure. Sachant qu'il n'a plus son maître mineur. Ni ses gobelins du coup. Hop, petit esprit ici, ok il a un canon, bon à savoir. Ok, bon, c'est un peu chiant. C'est sûr qu'il a tenté ça. Parfait, parfait. Ok, bon là il va devoir canon, je pense qu'il va bûcher en plus, quoi. Ok, bon là on va mettre le petit bourreau, j'attends un petit peu d'être au milieu, et on va mettre sa princesse, faut que je le mette. Ah, ok, bon, on a pas mis sa princesse. C'est pas grave. Hop, c'est pas grave, on va mettre une nerf qui va se faire découper par le bourreau. On doutait qu'il allait faire ça. Ok, il a chaud son placement, parfait. Il n'y a plus de princesse. Ok, on va aller mettre une petite roquette ici tranquillement. Ok, on a la bûche évidemment. Et logique qui roquette en vrai. Là, c'est le moment de mettre un peu de pression. Le canon il fait des défenses, bref. Ok, je vais tenter de partir un peu opposé pour voir. Ok, ça va rien donner. C'est pas grave. Je vais essayer de la out cycle. Je suis pas sûr de pouvoir le faire, mais on va tenter. Ok, bon, bah, je vais pas réussir. En vrai, ça m'étonne pas trop. Je crois que j'ai deux tensions. Ouais. Dommage. Hop. Ah, dommage, je peux mettre pas le coup. Ok, attends, en vrai. Normalement, on tue la princesse, ça c'est une bonne nouvelle. Merde, j'ai mis Slig. Putain, c'est con. Ouais, non, mais c'est. Oh, c'est bladé. En vrai, attends, avec qui elle va tout droit? Non, ok. Elle est complexe cette game, elle est complexe. Petit esprit ici. Ok, là on peut directement repartir sur un petit... ok, bon, ça sert à rien ce cochon, il va mourir. On n'est pas sur un match-up très facile, hein. Paf.
petite bûche ici, normalement le bourreau, ah, le bourreau qui va rien découper du tout, c'est pas grave, hop, je vais essayer de faire ça pour tuer les deux princesses. Ok, là il commence à paniquer, en vrai, là il y a un monde où je peux passer. Peut-être, petite tête pré-shot de quelque chose, ok, le... il se fait découper. Au cochon un coup? Cochon pas de coup, ça c'est très dommage parce qu'on avait bien joué. J'essaie de pré-shot la princesse, on n'a pas réussi, c'est pas grave, normalement il a pas mis bien placé, ah, il a bien placé. Ça c'est terrible, et ça c'est terriblement bien joué malheureusement. C'est un peu s'il va défendre facilement. On a une roquette d'avance, enfin une roquette d'avance. Pas pour beaucoup de temps, et bien joué. Et c'est GG sur ça, il a bien joué, il a eu un très très bon réflexe. On a Maître Lumière qui m'a découpé ma tour. Hein. Ouais. Il a juste à pas prendre de risque, et c'est GG. Et peut-être prochain de la princesse. En vrai c'est giga obvious mais bon. Hop. Dommage. On aurait essayé mais trop trop dur à la chape, trop trop dur. On aura fait deux games de fou furieux. Des games pas forcément faciles. Dommage. Dommage, c'est une belle game. Et malheureusement, on n'arrive pas à aller la chercher. C'est pas grave. Oh, bon, on a fait hop. On a l'esprit au niveau 7. Parfait ça. Hop, 300 gemmes, ça fait toujours plaisir. Allez, on part sur cette prochaine game, c'est pas grave. Ok, c'est parti, prochaine game contre STB Légende. Allez, celle-là, on la perd pas. Ok, petit cochon esprit. Ok, d'avoir une tornade, je suppose. Ok, deux coups, on aura... Un coup, ça c'est miteux par contre. Oh putain, j'ai pas la bonne main en plus. Ah non, on a mis deux, non? Je sais pas, ouais, je pense qu'on a mis deux. Il a pu sa bûche du coup. Ah ok, c'est un... Oh, match-up miroir. Ok, match-up miroir. Très très bien. Bon, déjà on a de l'avance, ça c'est une bonne nouvelle, on a de l'avance. J'attends un petit peu, hop. Bon, malheureusement tornade. Ouais. Évidemment on va pas se laisser gratter. Hop, on va mettre le bourreau ici pour pas qu'il roquette évidemment. Ouais, en temps normal j'aurais tornade mais là comme il a cochon viper et c'est un match miroir, on va éviter de faire le con. Hop, petit toto. Allez, petite Valkyrie ici, paf. On va tenter de faire un petit peu pour voir ce que ça donne. Ouais, Valkyrie, tornade. Ah, il a mis un coup le bourreau. Oh, le gobelin. Le gobelin couteau qui fait très très mal là. Le souci, c'est que je sais pas trop trop comment défendre le push qui va arriver. Je pense que ça va être un bourreau très très haut. Ok, il a bien joué mal. J'aurais pas dû défendre. J'aurais dû défendre avec un esprit. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bon là j'ai évidemment pas plus forcé que ça. Hein. J'ai cyclé un esprit de l'autre côté. Peut-être pour tenter de le fenter. Oh non c'est terrible ce qu'il vient de faire. Oh l'erreur. Oh bah rendre mon rêve sur force là. Il n'a pas d'élixir, on rappelle. Ok, alors là on a un coup de Valkyrie, ça c'est bien. Encore une fois, on va mettre un bourreau très très haut pour pouvoir avoir le placement tornade, hein, évidemment. Bon, cette fois on le rate pas. On va essayer de faire une boulette. Peut-être pré-jette les gobelins, peut-être. Comme depuis tout à l'heure, je l'ai pas fait. Ça, ça fait chier parce que là, ça se voit, il allait mettre les gobelins. Sinon, il n'aurait pas joué comme ça, je pense. J'essaie de mettre un bourreau pour pas qu'il puisse le rocket. Ok, je vais mettre là parce qu'il va tenter sûrement de pré-shot, je pense. Ok, là on a peut-être un bon pré-shot gobelin à faire. Voilà, on a un pré-shot esprit à faire. Et on va pas aller chercher ce coup, dommage. Hop. Je vais tenter d'aller spam pour voir ce que ça donne.
Ouais, j'aurais dû préchauffer la bûche, hein, parce que là forcément il y a du Saturnade. Ok, on va quand même mettre un coup de cochon par contre, ça c'est une bonne nouvelle. Tête 2. Ok, c'est pas grave. Encore une fois, on met le bourreau très très haut, hein, pour pas qu'il puisse cochon. Alors si cochon, c'est pas rentable. Enfin, c'est pas rentable. Enfin, il y a vraiment deux coups, quoi. Là, ce match, on le gère à la perfection. Hop, on va tenter de faire ça pour peut-être attirer... Enfin, nickel. Et là, on peut mettre un bon cochon, normalement. Je vais pas mettre ses gobelins, donc j'ai pas fait shot, parce que sinon, ça va juste de mettre dans la sauce. Hop. Paf. Petite tornade ici. Bon, mon bourreau un peu autiste, mais Osef. On va faire ça comme ça. Hop. Parfait. Et là, on peut aller mettre notre première roquette ici. On va aller lâcher cher notre première roquette. Et là, je pense que le cochon va aller mettre un coup. Et c'est sur ça qu'on va aller chercher cette game. Ça fait 3 games qui durent de quasiment 5 minutes. C'est cool et terrible en même temps. Ok, bah parfait. Ouais, 357. Bon allez, il nous reste 3 games à chercher, on va les chercher, ouais, 3 games 15 minutes, la vidéo va être longue, hein, ça... la vidéo de reprise va être très très longue, mais bon, on fait de très très bonnes games, donc ça, c'est ce qui fait le plus plaisir, et on part contre another game, allez, let's go, petit cochon, oh, barbarite, ok, petit coup, pas de petit coup, c'est pas grave, je vais voir ce qu'il fait, ok, là, on part sur roquette, évidemment, pas m'emmerder, on a une bonne value, on va aller la mettre. Là il a un de plus que moi, mais c'est pas bien grave. Ok, la petite reine, bon il joue reine malheureusement, ça c'est un peu terrible ça la reine, hein. C'est catastrophique. Ok, on va aller bûcher en même temps. Ouais, je me disais qu'il allait mettre sa capa, c'est pour ça. Je sais pas si elle va se faire détruire la voleuse. Ah, c'est chiant. Ouais, le spammer. Bon, en vrai, je vais essayer d'assumer un peu les dommages, comme j'ai la tour du roi en plus. Je me dis que c'est pas bien grave. C'est là, il n'y a plus rien pour défendre en fait. Ah, voilà, il a une bûche. Ouais, parce que là, si je défendais, le problème c'est que j'aurais pas pu push et j'aurais pas attrapé les dommages. Donc là, fallait que je laisse. Ouais, bon. Faut faire avec. Donc là, évidemment, on garde la roquette pour la reine. C'est les points. Puis après, ça sert à reform mob du coup. Ok, on part en gobelin au pont. Ok, petit archer ici. On va pas les mettre de pousser, dommage. Ok, bon, on va mettre le bourreau. Ça. Ah c'est terrible ce que j'ai su je viens de faire là. Alors ouais c'est pas très très grave parce que dans tous les cas ça égalise les tours. Maintenant faut juste plus prendre de dommages. Ok fantôme, ça c'est un peu chiant. Ok on va aller faire ça, plus ça, hop. Un petit coup bon. C'est ok. Petit gobelin ici. Oh non, je suis con. Heureusement qu'il s'en est pas rendu compte, parce que là, ça va être terrible. Hein. Oh, le spammer de ses morts, la reine des chauves, là. Ok, on va faire ça comme ça. Ok bon je tente un peu le coup de mettre là. Un petit coup. Dommage. On en mettra malheureusement qu'un seul. Ok hop. Hop. Ah mais il a une bûche. Je pensais pas qu'il avait une bûche. Oh c'est miteux. Oh il a de la chatte.
il a de la chance. Oh, il a vraiment beaucoup de chatons. Putain, je me suis dit, est-ce que je pourrais shot tornade si vraiment qu'un HP. Je connais pas les dégâts du cochon parce que je suis pas un joueur cochon de bush, je suis un joueur sinkergel, donc bon. Non, c'est pas grave, hein. On a que des games en temps extra, c'est aberrant. Ok, bon. Armée squelette, mini PK, ça me plaît pas trop. Est-ce que je peux... J'ai pas 4 joueurs s'il y a trop de squelettes derrière, c'est chiant. Hop. Ok, let's go. Le zappy là, je vous avoue qu'il fait plaisir. Hein. Le zappy normalement c'est censé être free. Oula, pourquoi je défends ça moi? Ouais, il force comme un giga malade par contre. Hein. Ok, est-ce que ça peut tuer beaucoup de squelettes? Ouais, je vais devoir défendre là. Je me rends pas compte si je dois défendre là. Ouais, je vais laisser, tant pis. Pas trop chaud d'assumer quelques dommages là. Bon, du Jean Zappi. Géant Zappi, Géant Zappi. À partir de Valkyrie, hein, écoutez. Voilà, il est un peu con là par contre. Hein. Ouais, pour de vrai, là il est un peu con, mais vas-y tranquille. Ok, je peux pré-shot peut-être avec les gobelins. Peut-être si je peux garder un peu de Valkyrie, ça serait sympa. Ouais, bon, nickel. Ça fait chier normalement. Encore en Valkyrie fond de map. Ouais, c'est bien, c'est que je l'oblige à m'agresser. Et là, je pense qu'il sait en vrai, c'est GG là. Il peut pas, c'est impossible qu'il fasse ça. Let's go, première game qui n'est pas en overtime. Hop. Hop, et voilà. Enfin, pas première game du tout, hein, vraiment pas. Hein. Ça fait vraiment 23 minutes, là, je suis en train de rush. J'arrive pas. Je fais des 1-1. Bon, allez, on arrête de perdre les games maintenant. Prochaine game. Contre El Major. Allez, un autre zappy, ce serait sympa, j'avoue. Allez, on peut avoir un petit cochon, esprit directement. Tornade. Ok, bûche bouliste, très bien. Ah, si c'est une cimetière, je suis content, parce que cimetière, c'est free matchup. Hein. La vérité, que cimetière, c'est gratos. Hein. C'est offert par la maison, carrément. Je vais acquérir tour du roi, déjà. Attends un petit peu. Hop. Ah, c'est l'électro-géant. Ah. Ah, ça c'est très bien d'esprit match. Ça c'est la même Arc Hunter en fait. La partie de l'engine. Oh, pour la 2. Ah, vas-y, c'est chiant. Oh, la belle bûche. Oh, la belle bûche. Attends, mais c'est quoi? What? J'ai un bomber. Normalement, ouais, normalement c'est comment ça s'appelle? Ouais, normalement c'est de l'électro-géant. Saute. Ah, il a pas sauté. Ok, après, on va mettre deux coups, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, bon maintenant il faudra être solide sur la défense, hein, pour même chier sur l'électro-géant. Ah, c'est du Jean Royal. Ok. Je vous avoue, je m'attendais pas vraiment à du GR. En vrai, j'avais eu obligé une bûche, hein. C'est le bûche de délexir, c'est chiant. Hein. En fait, ça peut les gober un peu le bait parce que ça, ils peuvent très vite. C'est simple de rater une bûche.
Ouais, bon, on va lui poser problème, il va devoir le défendre. S'il le défend pas, je pars cochon. Je pars cochon avec un esprit. Il y a un H-kit ? Bon, alors, est-ce que ce serait le premier H-kit de la vidéo ? Je pense que oui. À voir s'il ne joue pas, s'il joue pas. Bah, c'est cool. Ok, bah, c'est le premier H-kit. Ça régale. La vérité est que ça régale. Ah merde, il a pas un H-kit. Ah ouais, je t'en mets bah c'est bon, c'est win et tout. Pas du tout. Bon, en tous les cas, c'est pas pour autant qu'il va gagner, mais Bon bref, tu peux rush-kit, genre. Ah, je déteste les gens comme ça, la vérité que ça me fait péter un point. Bon, allez, un petit esprit de là, c'est pas grave, on va défendre son push facilement. Il va vraiment que je 3 couronne pas genre. C'est terrible ce genre de joueur. Ok, bah nickel. C'est un H-kit du coup. Ça fait plaisir contre El Major. Et plus 32, ça fait plaisir. Plus que 2 games les gars normalement. Si je choque pas normalement, 2 games et ce sera good. D'ailleurs dites-moi les gars, pour tous ceux qui sont restés là, au moins je les verrai dans les commentaires à m'écrire votre deck préféré. Voilà tout simplement. Et si c'est un deck méta ou un deck effet maison, et si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir voir sur Instagram les gars. Ok, enfin contre Monsieur Cola, on a 100 trophées plus que lui par contre. Il doit prendre plus de 22 ou 23, un truc comme ça. Ah bah PK. Les gobelins, ça sera le trahir le PK. J'aimerais qu'il mette un truc derrière, genre un New Wiz là, et je pars roquette instant. Un New Wiz, voleuse, fantôme, ce que t'as envie mon ref. Non, rien. Ok, cochon. Je crois que je l'ai raté la tornade. Non, c'est là. Ok, parfait. J'attends. Bon, j'ai pas trop forcé non plus, puisque bon, voilà. On est quand même en retard de base. Hop. Ok, poison. Bon, arrête le cochon pour tanker un peu. Ah. What? Ok, bon, c'est pas grave. On aura la Valkyrie ici pour aller tout déglinguer. Hop. Parfait, bon là normalement il a plus beaucoup d'élixir et on devrait être... Enfin non, on devrait être 7 là, c'est pas un peu quoi. Hop, hop, hop. Oh, j'ai cru que j'allais prendre un coup, j'étais en mode what. Ok, fantôme, bon on va mettre ça sur le tour du roi alors. Hop. Là ce que j'ai juste peur c'est du PK. Ouais. Ah ouais, le PK va me faire chier, hein. Sachant qu'on n'est pas encore en x2. Je sais pas si je vais faire avec une Valkyrie ou un bourreau. Pour moi, bourreau, c'est peut-être mieux. Mais je crois que j'ai raté un bourreau. Enfin, ça. Bah, je trouve que j'ai quand même sacrément bien défendu, hein. Ouais, j'ai vraiment bien défendu pour moi. Ça, je vous ai tapé une bonne meilleure défense là. Ok, Wiz évidemment, bon. Alors, j'avais cru qu'on aurait pris un coup. Enfin quoi, j'ai remis un coup. C'est pas grave. Ok, bon, par bord au fond de map. Allez, on va s'installer en défense. Hop. L'électro sorcier il a disparu de la circulation. Il s'est fait fumer la gueule.
Ok, comme ça en fait ça l'oblige à défendre et moi je peux tranquillement voilà défendre son push. Un coup, deux coups. Ok, bon je dois défendre une dernière défense, je pars en cochon et c'est réglé normalement. Petite bûche pour le Lubis PK qui va sortir. Ok, parfait. Et là normalement c'est la victoire. La roquette. Et il nous reste plus qu'une game normalement. Hop. Parfait, voilà. Bon, encore une game. Bon alors elle était pas serrée ça, alors était juste longue parce que le mec défendait pour plus 24. Ça fait pas beaucoup hein. Est-ce que j'ai combien? 71. Faut que je prenne un plus 29. Sinon. Si je prends pas un plus 29, c'est terrible. Hein. Si je prends pas un plus 29, c'est terrible. Et parfait, on est contre Kokomi. Kokomi, personnage de Genshin Impact. Hop, pour ceux qui ont la référence. Hop. Paf, paf, on met le petit cochon sur le teko. Paf. Oh, merci. Ah, merci Kokomi, si tu regardes la vidéo, bisous à toi, bref. Gros bisous à toi. Ah, ça c'est incroyable, des gens comme ça. Tu vois, les gens comme ça, ça fait, tu vois, ça nous redonne espoir, de, envie de jouer, tu vois. En disant que tous les joueurs Clash Royale sont pas des gros fils de pute, tu vois. Bon, ben voilà, on passe les 7500 trophées. Merci à Kokomi encore une fois de pouvoir nous avoir aidé. Plus 29, et puis voilà les gars, nous sommes aux 7500 arènes, 20 arènes. Et puis voilà, encore une fois, merci à Kokomi, qui jouait Miner Sapeur et qui m'aurait... je pense que je l'aurais... En vrai, je pense que j'avais un... Je sais pas, il jouait quoi mon trappé à la version ? Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, les gars, c'était une très bonne vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était Bricou. Ciao, ciao.